Dans la famille Montausier, à Château-d'Oléron, la passion des huîtres se transmet de père en fils. Bernard, troisième génération, a pourtant bien failli troquer son habit d'ostréiculteur pour celui de policier. Mais l'appel du large a été le plus fort et le retour aux sources une nécessité. En 1996, avec sa femme, Sophie, ancienne professeure des écoles, il se lance dans l'ostréiculture comme une évidence. Leur souhait, créer une petite entreprise à taille humaine et surtout, maîtriser toute la chaîne de production. Cette structure d'entreprise correspond exactement à ce qu'on désire, à notre état d'esprit. Nous, on veut faire une production, une petite production, l'amener jusqu'au bout, c'est-à-dire pouvoir expliquer aux clients comment on fait, comment ça se passe, voilà. Bernard et Sophie produisent alors 50 tonnes d'huîtres par an. Mais en 2008, ils doivent faire face à une surmortalité exceptionnelle qui frappe tous les bassins ostréicoles de France. Alors qu'il faut plus de 3 ans pour qu'une huître vienne à maturité, 90% du cheptel meurt dès la première année. Un coup dur pour le couple, qui décide de sortir la tête de l'eau grâce à de nouvelles productions. Plutôt que de mettre plus de collecteurs pour avoir plus de naissins, pour essayer de contrer cette mortalité, on a décidé de se diversifier sur le marais qu'on avait déjà. Et donc on a développé notre production de palourdes, de crevettes impériales, de salicornes, alors salicornes c'est un petit peu particulier, et de sel. Dès le départ, le couple s'est engagé dans une certification EcoCert. À part le sel, chez Bernard et Sophie, tout est bio et en petite quantité. Produire moins, mais produire mieux, telle est leur devise. C'est aussi une valeur ajoutée pour leur petite entreprise. Vous avez l'équivalent, en fait, j'ai envie de dire, du bocal de haricots verts de la mer, la salicorne au naturel. Donc là, c'est vraiment le légume. Une partie de la production est expédiée, livrée par le couple en personne, ou vendue sur l'exploitation et en été dans cette ancienne cabane de pêcheurs près du port. On travaille uniquement sur de la vente directe, on fait exclusivement du circuit court. C'est vraiment ce côté producteur-consommateur. Voilà, on est vraiment, et si les gens ont envie de venir voir sur le marais, comment ça se passe, on est ouvert, on explique, on est vraiment dans cette démarche. Grâce à la diversification de leur production, le couple a pu sauver son entreprise. Mais surtout, Bernard peut continuer à élever ses huîtres sur les bassins d'Oléron, toujours avec la même exigence de qualité et la même passion. Donc ça, c'est mon petit chez moi, c'est mon champ, on va dire, voilà, comme en agriculture. Tout notre secteur est en zone A, c'est-à-dire qu'il est non pollué, donc on peut commercialiser directement les coquillages, et je rentre dans le cahier des charges pour être en bio. Tu veux qu'on l'avance directement ? Si on peut, allez. Il faut absolument que tout le cycle de production, c'est-à-dire dans mon cas les 3 ans et demi, 4 ans de production, soit fait en zone A, avec une traçabilité sur les différents parcs et les différents secteurs de cette zone. Quant à l'avenir, Bernard et Sophie sont confiants. Ils ont encore des idées plein la tête pour développer de nouveaux produits dans les marais. Il y a plein de plantes qui poussent à l'état sauvage sur le marais, et qui serait intéressant de regarder d'un peu plus près. Le but est de rester ici, de promouvoir le produit local que l'on peut trouver, le produit qui est inconnu du grand public, mais qui était connu de nos grands-parents, hein, et puis de promouvoir la région. En fait, j'ai envie de dire, on est un agriculteur de la mer. Voilà, on devient un agriculteur de la mer. Avant, on était ostréiculteur pur, maintenant on est ostréiculteur et on tend vers agriculteur de la mer. Voilà.